vidéo est un retraçage d'un moment inédit en club pro. Pour la première fois, à 3, on a réussi donc à gagner la coupe en club pro, donc sur FIFA 19 avec le club de Sud-Cantal Foot. Ce club, c'est juste une reproduction qu'on a fait entre potes. Donc voilà, c'est là, sur la vidéo, je vais montrer comment on a fait cette épopée folle pour arriver jusqu'à la victoire finale lors de cette coupe. Bonne vidéo. Donc, comme tu le sais peut-être, FIFA, on commence toujours en 8ème et on allait au Wanda Metropolitano. Et là, Hugo Mej, vraiment, ce joueur a été fantastique pendant tout le club pro. Pendant toute l'année de club pro, vraiment, merci à lui. Mais là, il nous montre déjà la bonne voie avec ce but, cet enroulé magique qu'on va revoir au ralenti. Et ça, c'est pas sa première. Il en a fait une multitude. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Le deuxième but, là, je perds le ballon. Hugo la récupère, mais il fait une passe devant le défenseur. Hugo la prend. Et Hugo se fait chauffer dans la surface. Mais d'une façon. Et là, le carton rouge logique. Hein, de... Vraiment, je sais pas pourquoi. Vraiment, il a fait ça. Ouais. De toute façon, Hugo, il tire le péno. Le marque. Et on est qualifié parce que regardez juste après ce qui a se passé. Vraiment, je me rappelle. Hein, de... Voilà, ils avaient rage quitte. Et là, c'est le quart de finale direct. On est contre Marseille. Voilà, Hugo me met un excellent ballon. Je contrôle. Peut-être j'aurais pas dû, mais. Mais bon, je remets quand même Hugo de peur que le gardien me prenne le ballon. Et après, ben, Hugo il conclut quoi. J'ai 3 buts en 2 matchs pour Hugo. Qui nous a qualifiés. C'est mis à 3ème minute, mais ça nous a qualifiés. En demi-finale quoi. Regardez, on est en demi. Hugo met un super ballon, je suis un super contrôle. Je frappe ensuite, vraiment ce but. Je trouve que dans ce but, j'ai. Sans vouloir me vanter, j'ai fait quand même quelque chose de bien. Et là. Et après, voilà, l'égalisation, c'est un peu un but très très évitable parce que. Vraiment, il nous met un ballon piqué quoi. Et Hugo qui était capitaine fait sortir. Hier, on allait en prolongation, ça avait rien donné. Maintenant, les tirs au but. Et là. Ça se compliquait, je trouve que je prends un petit peu de contact pour mon équipe et je le manque. Vraiment que le pro, moi les pénaux c'est pas la joie, j'avais pu en mettre un seul au début. J'en mettais vraiment moins, mais là j'arrive plus à les mettre. Là voilà, une pelte aussi va se manquer. Là, ça nous a aidé à le coach en Corse. Et ouais, lui il avait pas peur, il avait vraiment pas peur. Un orbot transformé. Hugo Mej, notre magicien qui le met lui aussi, en plein milieu. Ah ouais, là, mais. Après, je veux pas dire que cette séance de tir au but, elle était assez longue. Hein. C'était un duel 100% bot, mais bon. Quand je vois un peu, on parlait d'égalisation comme tout qu'on a pris. Bon, heureusement, là, le bot, c'est le tir qu'il avait mis. Hein. Ah non, il avait raté. Autant pour moi, je l'ai raté. Ouais, mais pour revenir sur l'égalisation, bon, c'est un peu une erreur d'appréciation de la part de notre capitaine, puisque il a fait sortir le gardien de l'arc, du coup, il a lobé. Mais aussi, il y a une perte de balle de notre défenseur. Donc, chacun sa part d'erreur, de toute façon. Bon. Là, il est très bien frappé, là, contre-pied. C'est bien joué. Là, regardez les bottes. Hein. Bon, c'est en fait, c'est là cette séance de turbus. C'était vraiment une séance bot quoi. genre, t'as l'impression que c'était pas nous quoi qui la faisait. J'ai l'impression que c'était lié qui faisait la séance. Comme si tu regardais Lee faire une séance de turbus quoi. Comme si tu lançais un match en coup d'envoi et tu regardais Lee faire une séance de turbus quoi. C'était un peu ça. Bon. Là. Là c'est qu'on était voilà là aussi en toute douceur là non bien joué il a bien ouvert son pied un peu de rater près du sol là c'était tendu voilà. Merci le bot. Parce que regardez, le gardien va l'arrêter, ouais. À ce moment-là, vraiment, on n'y croyait pas, quoi. On croyait que ça allait aller
jusqu'à 11. Et on croyait aussi que notre bot allait le manquer. Là, vraiment, on était sous pression, quoi. Et ouais, on nous a qualifié pour les demi, notre bot. Vraiment, on était déjà très content d'aller en finale, quoi. Surtout que, il y a pas longtemps, on gagnait 2-0, on avait fait une finale, c'est une catastrophe. Ah ouais, là. Là, voilà, ouais. J'avais marqué le jour de pour lancer les hostilités. Ah, c'était une frappe du cochon corse en fait. Le bot la reprend. Il peut pas frapper parce qu'il est un peu dans un angle un peu compliqué. Donc je lui ai demandé de me la mettre. J'ai mis une volée un peu bizarre quand même. J'ai l'impression que j'ai prendu dans le dos ou quelque chose comme ça. Bon, c'est rentré et ça fait 1-0 quoi. 1-0 pendant un moment, vraiment on a cravaché. Pour la 70e, Hugo nous met un but fantastique encore. Vraiment, Hugo, il a vraiment beaucoup contribué dans ce final. Il a joué 10. Hein. Moi, j'ai joué BU. Il a joué 10, Hugo. Moi, j'ai joué 9. Donc, ouais. Là, Hugo, il met encore un but. Là, il a mis encore une frappe. Cette frappe, parce qu'il a mis Hugo. Mais bon, souviens quand même. On gagne 2-0. On a perdu au tir au but en finale. C'est pour ça que Hugo. Comme il a pensé à ce scénario, il nous a tout de suite mis en sécurité. 3-0, et là, la victoire était assurée à la 76e minute. Vraiment. Ah, Toulouse a marqué un essai. 19-7. Là, il a regardé. Là, on commence déjà à se dire, voilà, on est champion et tout, vraiment. On était le 8 novembre, le 8 décembre. Et c'était un dimanche, 8 décembre. On a réussi à gagner la coupe, mais vraiment c'était un exploit quoi. Pendant un an, on a tryhard, on n'est pas arrivé. Et ça nous a, on est arrivé le 8 décembre. Alléluia quoi. Allez champion. Chut Cantal, Chut Cantal, on a soulevé la coupe. Et ouais Hugo. Et donc voilà, on était. Voilà. 3-0, les gars. Vraiment, c'est une grande satisfaction d'avoir gagné cette coupe. Merci, le cochon corse Hugo Mej. Et donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Et si tu veux voir plus de vidéos sur le Club Pro que je vais bientôt sortir, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est très simple. Et moi, je vous dis ciao, les amis.